C'est bon, on peut reprendre. Il y avait un chasseur. Et c'était juste... Ryan. Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick, hey, mon pote, dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltar, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre d'animal. Pourquoi tu parles? Un genre d'animal peut faire ça. Est-ce que j'ai... Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Arrêtez avec vos ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je crois bien qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça! Attends. Ce trou noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Je vais pas appuyer sur la plaie, non, faut pas déconner, ça, je vois très bien qu'il souffre. Merde. Ryan. Faut qu'on m'ampute. Pardon? On devrait couper avant que l'infection se propage. Pourquoi? Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, mec, t'as vu ce truc noir? Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur? Alors dis pas n'importe quoi. Putain, mais on dirait vraiment le Wendigo. On va appeler. Hey! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Mila? Et si c'était pas? Fais attention. Ok, on va attendre. Parce qu'elle a peut-être raison, faut pas tirer à tout va. C'était sur Maury. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Quel courage! Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Attendez. Attends, non! Tire pas! Bah, j'ai bien fait! Je suis là pour vous sauver! Nick. Va bien. Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle sévère? Tous nos sacs sont encore dans le van. T'aurais pas pu récupérer tes affaires. Jacob, elle est où Emma? Merde. Oh, bordel de merde. Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Oh. Attends, sur l'île? Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. J'ai laissé là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant.
Tu lui fais des blagues là, genre maintenant, tout de suite. Oui, putain, je vous ai pas dit, il m'est arrivé un autre truc de malade. J'ai vu un cadavre au fond du lac. Quoi? Un mec mort? Oh, non, un des nageurs de l'équipe universitaire qui s'est sûrement perdu. Oh putain. Entraînement. Évidemment, du con qu'il était mort. Bien sûr, on te croit, Jacob. Mais non, sérieusement, je te jure, je me suis dit que c'était un des moniteurs qui sont jamais venus. Mais j'en suis pas sûr, parce qu'il était tout gonflé et dégueu. Il se passe quelque chose. Bon, on se bouge. Excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi, je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Je sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine. C'est vraiment... Vous croyez que c'est le bon moment pour vous battre là? Bon, lâchez prise. Il y a un autre flingue, il y a un autre fusil de toute façon. Putain de merde. Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les merde. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan. Désolé. Vous me faites tous chier. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers les Tyroliennes. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Bon fait, Nick peut même plus marcher. Hey, j'ai une idée. La brouette. Emma. Ah ouais, donc toi t'es carrément en sous-vêtement. Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? Sept débiles. Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Ok, genre là tout de suite maintenant, il y a vraiment que ça à foutre. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop roots pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à... Où ça allait après? Oh, sérieux, non. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça. Ouais. N'importe quoi. Oula, il s'est passé quoi ici? C'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans ma télé. Je crois que j'ai tout dit. Sans déconner, Sherlock. Attends, mais j'y pense. Ah bah non, bah du coup, attendez, je regarde. Ok, donc Emma avec le monstre.
Et je me suis... Elle s'est foirée. Est-ce que ça veut dire que je dois pas prendre la... Cette île est une partie de la carrière... Elle m'a... Il m'a fait peur, ce petit con. Sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de la vie? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. On va monter, clairement. Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas une heure à enlever une écharpe du doigt d'un morveux qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oh, vous allez tous dire ça à chaque fois, en fait. Bon, je suppose que c'est en haut qu'il y a la tyrolienne, et donc je vais me faire attaquer. Wow. C'est quoi ça? Et c'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisi, hein? Enfin, si, elle est littéralement moisie. Mais cette vue, oh merde, vous allez pas en grand vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui... Bah, je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Mais d'abord, on va par là. Et j'ai encore des tas de choses à vous dire. Attendez, il faut... J'espère qu'Abby va bien. Elle s'est tirée tout à l'heure. Si vous avez pas vu, j'ai un peu roulé une pelle à Nick. Mais c'était un jeu. Je suis pas une salope quand même. Oh, et je précise, Abby aime Nick. Enfin, ils ont un faible l'un pour l'autre. En fait, je voulais juste attiser un peu la flamme. C'était épuisant de toujours les voir tourner autour comme des méduses bourrées. La pauvre, elle était complètement pétrifiée. Mais ça va aller, ils sont pas cons. Ils comprendront. Je suis sûre qu'ils vont les voir. On est loin de Sam de Tildorn, en fait. On en est vraiment très loin. Putain, ils sont tous gros, ils sont tous des cons. Je veux juste revoir un truc. Si elle s'est foirée ou pas. Bah oui, elle s'est foirée. Ça va être la course poursuite ici. Non, regardez, des clés de voiture. Les clés d'une voiture de flic? Ça doit être une histoire. La voiture du flic qu'on avait au début? Genre, désolé monsieur l'agent, Je vois pas pourquoi vous m'avez arrêté. Je vais continuer la visite et laisser ça là. T'es sérieuse là? Et on y est. Bienvenue. Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante.
Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici pour fonder une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Désolé pour le coup du micro. Bon alors. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. T'es sérieux? Quelqu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça, c'est rien. Vous avez entendu? C'est que maintenant. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Non. Fouillez le sac. Pas pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini pour rincer l'œil. Ok. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Ouais, bah t'auras jamais dû. Le taser. Photo d'attaque. Ça me fait une preuve. Ah, c'est maintenant. C'est bon. Ah. Asperge. Mais attends, mais il a la visée où là? Hop là. Il pourrait carrément passer par la fenêtre, hein. Bon, bah pour l'instant, on n'est pas mort. Bloquer la porte. Non. Alors, d'abord, le répulsif avant, je pense qu'il pourrait me rattraper. Ok, donc en fait, bah oui, bah, moi aussi je suis très con des fois. J'avais complètement oublié la fenêtre. Finalement, il est vraiment passé par la fenêtre au final. Alors, Dylan. Ils ont réussi à retourner. T'as pas trop mal? Non, non, désolé. J'ai super faim. Donc on va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Ouais, d'accord. Allez, allez. Oh putain, je boufferai un cheval.
Bah, je sais pas si on pourra trouver un cheval, mais... peut-être du muesli. Oh, Burke, je déteste le muesli. La force. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Bah, le téléphone ouais, dans... Il y en a pas un dans le bureau de Monsieur H. Mais t'es con, vous l'avez vu. On vous rejoindra. Ça marche. Optimiste. J'espère qu'il s'en remettra. Tu crois vraiment qu'on pourra le sauver avec ce qu'on trouvera dans l'infirmerie ? Kathleen sait ce qu'elle fait. T'en es sûr ? Parce qu'elle était même pas censée travailler à l'infirmerie cet été. Elle a juste remplacé une nana qui est jamais venue. C'est mieux que rien. Laura. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide. Tu veux dire... Eh, vous fermez pas la porte, non mais vous êtes con. Quoi ? Non, toi aussi ? Une ou deux fois ? Ouais. Eh, hey, vous êtes très très con. Tu vas où là ? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Ok, ils sont tous parano. Surtout Dylan. Merde, désolé. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. Optimiste. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On fait quoi ? Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler ? Monsieur H ? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Le 911. Police secours ? Qui appelle ça police secours ? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je te demande quoi ? La police ? Une ambulance ? T'appelles les deux, putain ! Les flics. Les flics ? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel. Il y a eu une coupure. Je leur réponds, au secours, mon ami a été attaqué par un ours, ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on ne sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors on aurait vraiment besoin de renforts. Ok, alors vous êtes tous débiles en fait. Ouais, ouais, un truc du style. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Mort. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça... Pile au moment où on essaie d'appeler les flics ? C'est une coïncidence. T'as essayé ? Le truc pour accrocher ? Quoi ? Ça. Qu'est-ce que tu fous ? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais ? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Mais les nôtres ? Ouais, c'est vrai. Fixe quelque part dans le camp. La radio ? Pas exactement, mais. Quoi ? Il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces ? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. T'es sérieux, là ? Seulement temporaire. J'irai le reposer quand
on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Parfois, vaut mieux vraiment. Quel orage, Ryan. Ben, peut-être que c'est les ours. Eh, mais vos gueules avec vos ours. On accuse toujours les ours. Ouais, voilà. Imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. On va flipper. Ouais, ok, ouais, allons-y. Oh. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Est-ce qu'elle tu en a vraiment qu'elle en a besoin? Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez. Ok, on va le donner. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. Ryan apprécie votre décision. J'arrive au mauvais moment. Allez, mon vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Alors, retour avec Emma, du coup. Oh, c'est là. C'est ici la carte de la tour. Oui, c'est ça, vas-y, fais. Enroulez doucement. Merde. Bah j'ai bien fait de pas accélérer en fait. Ah d'accord. Bon, bah là, j'ai pris clairement les bonnes décisions. Et merde. C'est quoi cette musique comme si c'était fini là? Ok, j'ai réussi à éviter la prophétie de la carte de la tour. Déjà, ça a été rapide le chapitre. Oh, bien, vous revoilà, je suis ravi. Ah, voyons ça alors. La force. La force peut être surprenante.
Faut que j'aille aux toilettes là après. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être... Ah d'accord, donc là j'ai le choix entre l'étoile que j'ai pas vue dans les chapitres précédents. Ou alors il va... Ah non, là c'est... D'accord. Donc l'étoile, on s'en fout. Va falloir que je le revoie parce que... À nouveau les conseils. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Je sais qui sont mes alliés. Ce sont les chasseurs, madame. Bon, chapitre 4, ça a été plutôt... Chapitre 5, silence radio. Faut que j'aille aux toilettes, là, par contre. Alors, on va mettre sur pause. Nick. Alors, on va juste checker le chemin. Cuisine du chalet. Alors, on va juste regarder la force. Le chasseur. Ok, non, alors...